Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters, le coupe-circuit. Donc la dernière extension Yu-Gi-Oh! Sortie le 19 octobre 2017. Donc faut savoir que c'est une extension qui était pas mal attendue notamment par les joueurs parce qu'elle contient du très bon support pour le deck Spiral, d'ailleurs qui va clairement devenir méta dans les mois à venir, voire même tier 0 je dirais. On a également trois archétypes notables dans cette nouvelle extension. Donc on a Altergeist, Crawler et Rocket. Rocket d'ailleurs qui est un assez bon deck mais qui manque un peu de support à mon goût. Donc on en aura sûrement dans les futures extensions à venir je pense. Donc voilà, donc juste avant de commencer l'ouverture de cette boîte, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais vous faire gagner deux coupons de 5 euros pour tout achat effectué sur le site Yu-Gi-Oh! Card Market, donc avec lequel je suis partenaire. Donc pour ça c'est simple, vous mettez un commentaire comme d'habitude, voilà ce que vous avez envie de mettre. Et donc je sélectionnerai deux personnes au hasard dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas également à laisser un petit like. Bon c'est jamais obligatoire comme d'habitude, mais en tout cas ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc bah sur ce on va commencer tout de suite l'ouverture de cette boîte, le coupe-circuit, couper le code. Hop, donc c'est parti. Hop, donc déjà je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la boîte. Voilà, c'est assez classique avec le nom de l'extension juste ici. Le monstre du cover qui est très stylé, qui est aussi une très bonne carte à récupérer dedans. Hop, donc on est parti, on s'ouvre ça. Hop, donc on commence tout de suite, on ouvre cette petite boîte. Hop, donc voilà les 24 boosters. Voilà, tac. Donc on va commencer tout de suite l'ouverture. Juste avant, je vous montre un petit peu le contenu de cette extension. Donc dans chaque booster, on aura 9 cartes avec une extension complète composée de 48 cartes communes, 20 rares, 14 super rares, 10 ultras et 8 secrets. Donc on espère avoir de bonnes cartes. Donc en secret, d'intéressant, il y a A Force Égale, qui est une très bonne carte à récupérer. On a également la carte du cover, qui est une très bonne carte aussi, pour le deck Rocket notamment. Alors on commence tout de suite avec une magie de terrain. Donc Grand Prix FA, tout terrain, ok. Donc ça aussi c'est une bonne carte pour le deck FA. Hop. Sirène Mur, Néraïde d'Abysse. Donc une nouvelle carte pour le deck Mermail, ok. Renard Cramoisi, Clair de Lune. Pareil, une nouvelle carte pour le deck Moonlight. Ranvier Crawler, ok. Donc pour le deck Crawler, donc. Ensuite en rare, on a Héritage du Monde, Armure du Monde, ok. Et donc en foil, on aura Nephthys Métaphysique, en super rare. Ok, donc un petit monstre niveau 8, 2400 d'attaque. Ok, donc en super. Ensuite, Condensateur acharné, Poussin Kaleido Clair de Lune, encore une nouvelle carte Moonlight, Ange des Ténèbres pour la dernière carte. Donc d'ailleurs, j'aime beaucoup le design de ces boosters, ils sont vraiment très très beaux. Vraiment très stylés, je trouve. Hop, donc. On est parti, épée de bambou ardente. Ah tiens, c'était le genre de carte jouée dans les decks Exodia. Donc à mon avis, ouais, c'est pour les decks Exodia ça. Ouais, ça annonce pas de très bonnes nouvelles. Redémarrage du lien, petite contre-piège. Ok. Coup de chauve-souris, Gouki. D'accord. Ensuite en rare, on a dimension métaphysique en piège continu. Et oh, une petite ultra. Chauve, chat noir, Farstar. Donc pour le deck Trickstar, qui est un bon deck aussi à se faire. Qui sera l'un des bons decks, on va dire, à jouer bah, là dans les mois à venir. Dragon Renifleur, Lengling, Récepteur Crawler, et pour finir, Arrêt au stand FA. Donc petite magie pour le deck FA. Ok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des cartes. Voilà, moi en tout cas, je recherche pas beaucoup de cartes. Peut-être la piège à force égale, sinon je recherche pas grand-chose dedans. Glial Crawler, ok. Crozer Whip FA, d'accord. Mystère Garçon Étoile, très bonne carte à jouer, très bon link. Donc un link 2 que vous pouvez jouer dans n'importe quel deck haut. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc en commune dans ce deck. Encore une Mermail. Ensuite on a Narcissus Farstar. Donc pour le deck Trickstar, donc en rare. Et ensuite on a Globe Piège de l'Héritage du Monde en super. Donc encore une carte pour le deck World Calice. Un bon deck, bon, c'est pas mon deck préféré, mais ça reste intéressant. Dendrit Crawler, Espionne Amazonès, encore une carte pour le deck, enfin, du coup, une carte pour le deck Amazonès qu'on avait déjà eu le droit dans l'édition du liste légendaire. Ombre de l'héritage du monde pour finir.
Hop, donc là on doit être au, je dirais, cinquième booster. Quatrième booster. Hop, donc affrontement de l'héritage du monde. Lyrilusk Récital Sturnidé, ok. Ligre Family Amazoness, petite fusion pour le deck Amazoness. Héritage du monde, armure du monde en rare. Et en foil, Démon Subterreur Behemoth. Ok, en super. Ensuite, on a Balisibers. Hop, Poussin Kaleido Clair de Lune, qu'on a déjà eu. Axon Crawler. Facteur métaphysique en magie de terrain. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire la carte que vous préférez dedans. Enfin, du moins, les cartes même que vous aimez bien dedans. Compilateur défectueux. Ok. Encore un Mystar. Duck Demi. Petite référence au Rabbit Justicier et ici à la magie de terrain qui a été bannie chez nous, de mémoire. Si je dis pas de bêtises, non, je crois. Enfin, je sais pas, honnêtement. Ok. Ah, donc le premier Rocket, Dragon Anesto Rocket. Donc, carte qui sera sûrement jouée x3. Ensuite, en rare, on a Dédale Métaphysique. Et en foil, Bumper Lien. Donc, un petit monstre Link 2. Donc, il faut deux monstres Cybers pour l'invoquer. Donc, d'ailleurs, le Cybers, on aura le droit à un deck de structure prochainement. Ombre de l'héritage du monde en magie de terrain, Récepteur Crawler et Impératrice Amazonaise qu'on n'avait pas eu. Ok, donc pour le deck Amazonaise, je suppose. Hop! Booster suivant. Alors, fourmi autodestructrice. Très sympa. Ok. Encore la mermail. Epine Crawler. Le Mystar qu'on a déjà en 3 fois. Destrudo, le frisson du dragon perdu en rare. Ok. Et en foil, Ragnarok métaphysique. Ok, donc pour le deck métaphysique qui est aussi un bon archétype, je trouve. Donc petit monstre niveau 4. En super, 1500 d'attaque, ok. Axon Crawler, Amano Iwato et Récepteur Crawler pour finir. Donc on passe au booster suivant. Alors, Lyrilusk Récital Sturnidé, ok, en Ixide. Crosser Whip FA, ok. Ranvier Crawler, Métaverse en rare. Donc prenez une magie de terrain depuis votre deck et soit activez-la, soit ajoutez-la à votre main, ce qui est pas mauvais, je trouve. Ok. Et, oh, une petite ultra. Melu Vitasses Altergeist. Ok. Donc pour le deck Altergeist, très sympa. Ensuite, on a Espionne Amazoness, Renaissance Télécommandée et Impératrice Amazoness. Ah non, il y en a encore une. Condensateur Acharné pour finir. Alors, donc, pion de l'héritage du monde en piège continu. Synaphusis X-Crawler. Donc, un petit monstre Link 2. Deux monstres terre pour l'invoquer. Je vous laisse lire l'effet pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est pour des crawlers. Ok. Fourmi autodestructrice. Glial Crawler. Ensuite, en rare, on a bloc de sécurité en magie rapide. Ok. Et derrière, Kaliarch X-Crawler en super rare. Donc, un monstre Link 2 pour le deck. Ensuite, on a Soldat Draconique, Poussin Kaleido Clair de Lune, Bête Fantôme Mecha, Raiten. Ok. Donc là, on a presque fini la première rangée. Alors, donc le Mermail qu'on a déjà en pas mal de fois. Ligre, familier amazonaise qu'on a déjà eu. Compilateur défectueux. Ah, la rare que j'attendais, Avatar Roi du Feu, Avarta. Donc la nouvelle carte pour le deck Fire King. Que je joue depuis pas mal d'années déjà. Donc très content de l'arrivée de cette nouvelle carte, donc en rare. Et pour finir, en foil du moins, Démon Subterreur Behemoth. Ok. Hop, la rare c'est là, j'ai inversé. Tac. Ensuite, Ange des Ténèbres, Facteur Métaphysique, Axon Crawler et Renaissance Télécommandée. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à appuyer sur pause si je passe des effets de cartes que vous aimeriez voir. Ah voilà, n'hésitez pas. Parce que je peux pas faire pause, enfin je peux pas montrer tous les effets entièrement, passer trop de temps dessus. Pion de l'héritage du monde en piège continu. Grand Prix FA, donc la magie de terrain pour le deck. Castor Agile. Temple de l'œil de l'esprit en magie de terrain. Allo Allo, donc là, ça c'était la carte de la preview qui était en ultra rare. Donc qui n'est pas exceptionnelle mais qui est plutôt marrante, je trouve. Ok. Et pour finir, en foil, Vie tranquille. Petite magie continue. Ok. Donc en super. Hop.
Ensuite, arrêt du stand FA, condensateur acharné, Amano, Iwato pour finir. Et donc l'avant-dernier booster de cette première rangée. Ah, donc encore le dragon Anesto Rocket, d'accord. Encore un crawler, pion de l'héritage du monde, code à usage unique. Ok, donc en rare. Et derrière, protocole Altergeist. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de secret, donc le suspense est vraiment intense. Un autre Altergeist, un Link, dragon renifleur et impératrice Amazoness. Dernier booster de la première rangée. Alors, l'accumulateur, ok, donc là maintenant je vais vous passer assez vite les cartes puisqu'on les a déjà presque toutes vues, ok. Doriado, grâce élémentaire, très jolie carte, en rare. Et derrière, Démon supérieur Behemoth qu'on a déjà eu. Hop, donc le médecin, lui on l'avait pas eu il me semble. Médecin musclé, ok. Chargeur turbo FA, un Link. Et donc on passe à la dernière rangée, tac. Hop. C'est parti. Donc là, normalement, on devrait avoir deux secrets dedans, dans cette rangée. Hop. Encore un Rocket. Donc on a déjà le playset. Ok. Un Crawler. Ah, encore un Avatar. Donc il m'en faudrait un troisième et ça serait très très bien. Et derrière, ligne cassée. Contre-piège. En ultra rare. Donc, ok. Ensuite, on a Kunshcher Altergeist. Un Crawler. Un Amazoness. Et pour finir, un autre crawler. Hop, booster suivant. Alors, Duck Demi. Tac. Un autre Lirilusque. Encore un Moonlight. Camouflage Altergeist. Il me semble pas qu'on l'avait eu celle-là, en rare. Et derrière, Bumper Lien qu'on a déjà eu. Les secrets, elles se font rares là. Strige Vent Terreur. Hop. Lengling. Lui aussi, on l'a pas eu souvent, il me semble. Hop. Allez, on espère avoir la carte piège à force égale. Ça serait pas mal. Ou la carte du cover. Hop, redémarrage du lien. Le Temple de l'Œil de l'Esprit en magie de terrain. Le Dragon Triangle Jumeau en rare. Très bonne carte aussi à jouer. Un petit Link 2. Et derrière. Ah, le numéro 41, une super qui est très intéressante aussi. Ok. Très bonne carte. Bali Cybers. Encore un Link. Joe Jama qu'on n'avait pas eu. Bonne carte aussi. Hop. Booster suivant. Hop, on va essayer d'aller assez vite maintenant. Tac. Narcissus Farstar en rare et magicien, c'est une secrète. Ah oui, c'est une secrète. Magicien Akashic en secrète rare, très sympa. Donc une petite carte Link. Ok. Hop. Tac, je vous passe assez vite les communes. Je pense qu'on les a plus ou moins toutes vues dans cette ouverture. Tac. En rare, usurpation personnelle et en super, nuit, vent des terreurs. Une petite magie de terrain pour le deck vent des terreurs. Ok. Tac. En rare, allo allo et en super rare, vie tranquille qu'on a déjà en deux fois. Tac. Donc là, on a bientôt terminé la boîte. Il nous reste 5 boosters, enfin 6 avec celui-là. Tac. Héritage du monde, armure du monde et bumper lien qu'on a déjà eu. Hop. On commence à avoir les cartes en pas mal de fois. C'est normal. Sur 24 boosters, on a plusieurs fois les mêmes cartes. Hein, c'est tout à fait normal. Encore le clair de lune. Hop. Avatar, c'est bon, on a le playset. Avatar, roi du feu, Avarta. Et en ultra, Gouki, ogre du tonnerre. Bon, c'est pas la meilleure, on aurait aimé avoir le Helix. Donc la carte pour le deck Spiral. Mais c'est toujours sympa. Donc en ultra. Et on a le playset de roi du feu. Donc ça, c'est très très bien. Allez, on y croit pour la dernière. Secret.
Le Mistar, très bonne carte. En rare, Destruido, le frisson du dragon perdu. Et encore un métaphysique en super. Ok. En rare, générateur Dragonoïde et protocole Altergeist en super. Allez, la dernière secret, elle est sûrement dans ces deux boosters, enfin du moins j'espère. Allez, on y croit. Amazoness, ok. Ah, Réunion Vendée Terreur. Et yes! On l'a eu à force égale. Oh là là, vraiment très 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 content. Bon, je pense pas la jouer, mais en tout cas, je suis très content. C'est la carte la plus recherchée de cette extension. Ça, c'est très très bien, très satisfait. Très bonne boîte, vraiment très content. Et donc, pour finir, le dernier booster, le coupe-circuit. On est parti. Tac. En rare, on a bloc de sécurité. Et pour finir, pour ce dernier booster, exécuteur métaphysique en super rare. Ok, bon bah voilà, c'était tout pour cette ouverture. Hop, donc très 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 satisfait de cette ouverture. Je vous fais une petite récap. Donc voilà pour les rares. En plus, je suis très content, j'ai eu mon playset de Roi du Feu. Donc ça, c'est très très bien. Hop, donc ensuite pour les super et les ultras. Hop, donc voilà pour les super rares. Je vous montre ça très très vite fait. Donc je le redis, si vous avez vu des cartes, n'hésitez pas à me contacter. Donc je vous mets toujours le lien de mes réseaux sociaux dans la description. Tac. Et pour les ultras, donc on a eu deux monstres Link. Donc le Chauve-Chat Noir Farstar, Gouki Ogre du Tonnerre, Meluti, bon bref, le Altergeist, et Link AC, donc en ultra rare. Et donc les deux secrets, on a eu en Link le magicien Akashic et la force égale, à force égale, donc très très bonne secret. Très satisfait, elle est à l'échange ou à la vente, donc n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, donc bah c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cette extension dans les commentaires. Sur ce, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!